Nous voulons encore adorer le nom du Seigneur. Nous voulons glorifier son nom glorieux, puissant et magnifique. Nous voulons dire Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Alléluia. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur.
acclamer. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent à toi, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. C'est toi qui brises nos limites. C'est toi qui étends nos limites. Dans tes limites, Seigneur mon Dieu. C'est toi, Adon. C'est toi, Adonai. Adorer si ce n'est toi, l'amour de notre vie, celui qui nous a rachetés de la mort, de la malédiction, de la loi, qui nous a transportés dans le royaume de ton Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission de péché. Tu es Alpha et Omega, c'est toi qui as le dernier mot de la vie de ton peuple. Je te lève, Jésus, l'amour de ma vie. Son of Brineman, son of glory. Baba baba indorobo sotan of rai. Darabalai de Brineman, a skirt of Brine. Son of Brine, Kineman, a skirt of glory. Shadi, a man, a skirt of Brine. Glory, man, a skirt of Brine to the glory. And the many men all you demand us for the bread. Ensemble, nous glorifions Jésus. Et ensemble, nos limites sont brisées. Au nom de Jésus, nous acclamons encore le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ai oublié de prendre place. Bénis ce moment, Seigneur. Inspire les paroles de notre bouche, mot après mot, phrase après phrase, soit inspiré de toi. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Cette rencontre n'est pas une rencontre de plus, mais une convocation divine. Un rendez-vous divin afin que l'humain puisse être transformé à cause de ta toute puissance. Bénis ces instants, Seigneur. Donne-moi l'onction nécessaire pour proclamer tes oracles vivants et dispose le cœur de tout un chacun. Atteins tes buts et tes objectifs, Seigneur. Et au-delà de ces quatre murs, que cette voix qui parle puisse bénir des multitudes qui se trouvent dans les quatre coins de ce monde par la puissance de ton nom. Et que la gloire de ton règne soit manifestée en ce moment même. Et que des vies soient touchées, transformées, délivrées, guéries, restaurées. Et que nos limites soient brisées au nom de Jésus. Je t'ai ainsi prié. Béni, Seigneur, l'ange de cette maison. Qui nous fait l'honneur, Seigneur, de pouvoir apporter la parole pendant ces trois jours. Béni ce peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors tu peux m'aider à saluer ton frère de gauche et de droite. Dis-lui tu es au bon endroit et au bon moment. Oulala, j'ai l'impression qu'il t'a pas bien entendu. Dis-lui tu es au bon endroit et au bon moment. Alléluia. Qui sont ceux qui ont été bénis hier? Nous avons été tous bénis par le Saint-Esprit. Amen. Dis à ton ami, on a besoin du Saint-Esprit.
J'aimerais dire encore merci au Seigneur pour l'opportunité qu'il me fait de pouvoir me tenir devant son peuple. Et merci encore à l'homme de Dieu, le pasteur Soleil, commissaire, pour l'invitation. Et merci à vous tous qui êtes là. J'ai venu écouter la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas responsable de ce qui va se passer, mais je peux vous assurer, aujourd'hui et demain, attendez-vous à quelque chose. Attendez-vous à être touché par Dieu de manière particulière. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre un temps d'abord pour l'enseignement. Et ensuite, nous allons rentrer dans la phase de l'Esprit de Dieu. Je parlerai ce soir sur les prisons spirituelles. Les prisons spirituelles. Alors que j'étais en train de préparer ce message, il y avait beaucoup de choses qui venaient dans mon esprit. Et je veux le scinder en deux parties aujourd'hui. Je terminerai demain. Et Dieu va faire du bien à quelqu'un. Nous sommes dans le livre de Ésaïe au chapitre 50, plutôt, Ésaïe chapitre 5, le verset 13. Ésaïe chapitre 5, le verset 13. La Bible dit ceci. C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif et sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. Donc Dieu fait un constat et dit soudain mon peuple est emmené captif, mon peuple devint prisonnier. Et voici la faim arrive, la disette, le manque, la sécheresse, les limites commencent. Ésaïe chapitre 42. Ésaïe chapitre 42, le verset 21 au verset 22. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, longtemps plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage. Et personne ne les délivre. Dépouillé et personne ne dit restitue. Voici encore un constat amer. Le peuple de l'Éternel, Israël, se retrouve ici pillé, dépouillé, enchaîné dans des cavernes, dans des prisons, plongé dans des cachots, enfermé dans des sortes de prisons. Et quand ce peuple est enchaîné, il est dépouillé. Et personne pour les libérer. Et voici les limites qui ont été marquées. Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Le verset 1er au verset 11. Et vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Et voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Et cependant, c'était pendant les jours des pains sans levain. Et après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades de quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Et Pierre donc étant gardé dans la prison, l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et la nuit qui précéda le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, la Bible dit Pierre lié de deux chaînes, il dormait entre deux soldats. Et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. Et l'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Et Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Alors, lorsqu'ils eurent passé la première garde et puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène devant eux. Ils sortirent et avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre et revenit à lui-même et il dit, voici, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur
a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Amen. Et le dernier texte que nous voulons prendre, c'est dans le livre de Luc, chapitre 4. Luc, chapitre 4, le verset 18 à 19. Et c'est Jésus qui parle en disant, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs, c'est-à-dire aux prisonniers, la délivrance, aux aveugles, le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Amen. Nous parlons depuis hier, et tout au long même de ces 4 semaines de jeûne et prière, de conférences, nous voulons parler sur comment briser les limites. Et pour arriver à Rehoboth, nous avons vu que pour arriver à Rehoboth, il fallait que nos limites soient brisées. Le mot Rehoboth qui veut dire largesse, qui veut dire faveur, bénédiction. En effet, il y a des limites dans la vie des enfants de Dieu, dans nos vies, qui nous empêchent d'avancer et qui nous empêchent d'avoir une vie abondante, une vie satisfaisante. Et il est important de pouvoir les identifier afin de les briser. Vous ne pouvez pas briser quelque chose que vous n'avez pas identifié. Vous ne pouvez pas combattre quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc avant de combattre quelque chose, avant de briser, il faut en connaître l'existence, savoir que ça existe. Et j'aimerais dire d'emblée, d'entrée de jeu à tout le monde, il est possible d'être enfant de Dieu et être limité. Il est possible d'être enfant de Dieu et être emprisonné. Il est possible d'être enfant de Dieu et se retrouver dans des sortes de captivité, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y a des personnes qui ne croient pas à ce genre de message, mais ce qui est vrai, c'est que c'est une réalité. Nous le voyons dans l'Ancien Testament et nous le voyons dans le Nouveau Testament. Alléluia. Alléluia. Donc il y a des liens, il y a des chaînes, il y a des prisons qui nous empêchent d'exceller, d'aller loin. Quand on est emprisonné, on est enchaîné, on est comme ligoté, les mains sont liées, les pieds sont liés et nous sommes dans une zone étroite et il y a des limites qui nous empêchent d'aller au-delà de ce que Dieu a réservé pour chacun d'entre nous. Et dans les 3 premiers passages que je vous ai donnés, nous voyons ici qu'il est question de la captivité ou encore de la prison des enfants de Dieu. Dans Ésaïe 5, dans Ésaïe 42, on nous parle des prisons qui enchaînaient, qui enveloppaient le peuple d'Israël. Et dans Actes chapitre 12 et dans d'autres versets aussi dans Actes, on nous parle de la prison dans laquelle se retrouvait Pierre, un homme de Dieu, un apôtre du Seigneur. Mais il s'est retrouvé en prison. Alléluia. Et je peux dire à quelqu'un, il y a des prisons qui existent. Il y a des prisons sur le plan spirituel qui enferment les nations, les peuples, qui enferment les régions, qui enferment les familles, les hommes et les femmes, et qui enferment même les chrétiens, même les églises. Il y en a qui sont enfermés dans des prisons. Alors, qu'est-ce qu'une prison? C'est quoi une prison? Une prison est un endroit où sont détenues les personnes condamnées à une peine qui les prive de liberté. Lorsqu'on dit que vous êtes en prison, c'est que vous êtes condamné, vous êtes limité, votre liberté est limitée, et vous ne pouvez pas aller loin, vous ne pouvez pas aller au-delà que des limites qui sont imposées par la prison. Une prison, c'est aussi un lieu ou une situation où l'on se sent séquestré, enfermé, privé. La prison, c'est un cachot. La prison est une chaîne. La prison est une limite. Et je veux déclarer déjà que toutes les prisons spirituelles dans lesquelles nous avions été enfermés, Dieu va les briser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a 2 sortes de prisons. 2 sortes de prisons de manière générale. Il y a des prisons qu'on appelle des prisons physiques, des prisons matérielles ou visibles que vous pouvez voir.
Et c'est là où on enferme généralement les coupables, les malfaiteurs, ceux-là qui ont des litiges, ceux-là qui ont commis des délits, ceux-là qui ont commis des crimes et des meurtres. Aujourd'hui en France, vous tuez quelqu'un, la police vous attrape et vous mettra en prison. Il y a des prisons physiques qui existent. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être dans une prison physique, mais être libre. Sur le plan spirituel. Mais beaucoup parmi nous, nous sommes peut-être libres. Nous ne sommes pas enfermés dans des prisons physiques. Mais spirituellement, nous sommes en prison. Et Dieu veut briser ces prisons spirituelles. Et dans, en parlant des prisons physiques, vous pouvez noter quelques textes, quelques références. Dans Genèse chapitre 39, le verset 20, on nous parle de la prison où on avait enfermé Joseph. La Bible nous dit, on y prit Joseph et on le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Et il fut là en prison. On prend Joseph, un homme avec les promesses, un homme avec la bénédiction, et on l'enferme dans la prison physique. Acte chapitre 16, le verset 23. La Bible dit, après qu'on les eut chargés de coups, en parlant de Pierre, plutôt de Paul et Silas, il est dit qu'on les jetait en prison et recommandant au geôlier de le garder sûrement. Paul et Silas, malgré leur onction, leur puissance, le ministère puissant qu'ils avaient, ils ont été arrêtés et on les a mis en prison physique. Et dans Jérémie chapitre 37, le verset 1 à 11 ou 1 à 16, on nous parle de Jérémie lorsqu'il libérait des paroles prophétiques qui étaient tellement dures que Israël ne voulait pas recevoir. Cela a suscité la colère des chefs et on l'a pris et on l'a mis, on l'a jeté en prison. Et plein d'autres cas où nous voyons des gens prisonniers. On nous parle de Jean-Baptiste qui a été arrêté par Hérode, lié à cause d'Hérodias et on le met en prison. Quand Hérode se lève, la prison n'est pas loin. Amen. La deuxième catégorie de prisons, ce sont les prisons spirituelles. Et les prisons spirituelles, ce sont des prisons qui ne sont pas physiques, qui ne sont pas matérielles, qui sont invisibles, que vous ne pouvez pas palper, vous ne pouvez pas toucher. C'est tout ce qui n'est pas perceptible avec les cinq sens. Vous regardez quelqu'un, la personne, vous le voyez en forme. Mais si Dieu vous ouvre les yeux spirituels, vous voyez cette personne en prison. Ça, c'est les prisons spirituelles. Et je prie que Dieu ouvre nos yeux pour voir toutes les prisons spirituelles dans lesquelles on avait enfermé nos vies. Non seulement nos vies, nos familles, nos enfants, notre destinée. Il est temps de la délivrance. Et dans les prisons spirituelles, j'ai noté aussi deux catégories de prisons spirituelles. Amen. La première catégorie, c'est des prisons spirituelles normales ou ordinaires. Ça, c'est des bonnes prisons spirituelles. Je vais expliquer. Tout ce qui est ces prisons-là sont conformes à la volonté de Dieu. Je donne un exemple. Les alliances, par exemple, sont des prisons. Je m'explique. Lorsqu'un homme va épouser une femme, il rentre dans une prison qu'on appelle le mariage. Alléluia. Le mariage est une prison. Ça te lie spirituellement. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 19, il dit, c'est pourquoi Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pas à ses femmes, mais à sa femme. Il n'y a pas la polygamie, il n'y a pas la polyandrie, mais c'est un mariage monogame. Est-ce que tu m'entends? Donc si tu as deux femmes, il y a un problème déjà là. Il y a déjà des liens qu'il faut couper. Un seul homme, une seule femme. Et la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint, Dieu a lié. C'est-à-dire quand tu rentres dans le mariage, tu es dans un lien, tu rentres dans une prison. Mais ça, c'est une bonne prison. C'est une prison qui t'amène la bénédiction. C'est une prison qui t'amène la joie. Le mariage est une bénédiction en lui-même. Avant même qu'on te bénisse, parce que tu as pris la résolution de te mettre en règle, de te marier, tu es déjà béni. Il y a des gens qui ne vivent pas des Rehoboth
parce qu'ils aiment vivre encore en union libre. Vous connaissez cette expression? Viens, restons ensemble. Frères et sœurs, ça ne marche pas. Si tu veux vivre, rebote. Prends la décision aujourd'hui de te séparer et arrange ta vie pour rentrer dans la bonne prison spirituelle. Je suis en train de voir un peuple, une femme qu'on va honorer cette année. Je suis en train de voir une femme qu'on va honorer cette année. On t'amènera à la mairie. Dis à ton ami, amène-moi chez le maire. Amène-moi chez le maire. Tu vas me doter. Cette année, tu vas me doter. Dis à ce monsieur-là, cette année, tu as trop blagué avec moi. Mais cette année, c'est Rehoboth. Cette année, tu dois me doter. C'est fini au concubinage. Fini. Dis à ton ami, ça c'est des bonnes prisons. Moi je suis prisonnier. Alléluia. Gloire à Dieu. Et parmi les alliances, vous avez aussi les amitiés. Est-ce que vous savez que les amitiés, c'est une alliance? Être ami à quelqu'un est une alliance. La Bible dit dans 1 Samuel que l'âme de David s'attacha à l'âme de Jonathan. Ils ont fait comme alliance. Une alliance, c'est un pacte, un accord entre deux ou plusieurs personnes. C'est pourquoi il faut savoir une chose. Tu ne peux pas choisir tes parents, mais tu peux choisir tes amis. Tu ne peux pas choisir la couleur de ta peau, mais tu peux choisir tes amis. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Il y a des personnes qui ont connu des limitations. Pourquoi? À cause de mauvais entourage. Ton entourage, c'est que des gens mauvais, c'était des gens pourris. Si tu marches avec des gens pourris, tu vas devenir toi-même pourri. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu dois changer, choisir. Il n'y a pas que la prière, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans les limites. Donc tu dois choisir ton entourage. Aide-moi à dire à ton voisin, choisis ton entourage. La Bible nous parle d'un roi d'Israël, du nom d'Akab. Il s'est lié au roi Josaphat. C'était une alliance que Dieu n'avait pas approuvée. Parce qu'Akab était rejeté, Josaphat était approuvé. Et cette association a amené Dieu à détruire leur entreprise. Toi, tu pleures. Tu dis, Seigneur, tu ne me bénis pas. Mais alors que tu veux faire une entreprise, tu veux monter une boîte, tu t'associes avec les mauvaises personnes, les impies. Parce que toi, tu es juste. Si tu t'associes avec les impies, Dieu va faire que ton œuvre, tes entreprises n'avancent pas. Donc, il y a des limites qui viennent aussi de l'entourage. Choisis ton entourage. Moi, je ne suis pas ami à tout le monde. Je choisis mes amis. Alléluia. Alléluia. Deuxième exemple, après les alliances, dans les prisons spirituelles normales où on peut accepter, ça peut choquer quelqu'un, mais je vais m'expliquer. C'est le Saint-Esprit. Amen. Dis à ton ami, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une prison. Il est une prison pour les intimes, pour les amoureux. Jésus a dit à Pierre, lorsque tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Tu faisais ce que tu voulais. Mais quand tu seras vieux, en réalité, quand l'Esprit viendra sur toi, un autre te prendra par la main et te conduira où tu ne voudras pas aller. Lorsque tu commences à rentrer dans l'intimité avec Dieu, tu vas comprendre que ta vie ne dépend plus de toi, mais ta vie dépend du Saint-Esprit. Or, si ta vie dépend du Saint-Esprit, le Saint-Esprit devient ton art. Il est devenu ta prison spirituelle. Mais ça, c'est une prison que j'aime. Je préfère être prisonnier du Saint-Esprit. Oh, quand je suis prisonnier du Saint-Esprit, aucune prison de ce monde ne peut me retenir. Lorsque je suis prisonnier du Saint-Esprit, en réalité, je suis un affranchi. Lorsque je suis prisonnier du Saint-Esprit, je suis un homme puissant. Paul était un homme puissant en parole, puissant en acte. Prisonnier. Il dit lui-même, moi Paul, prisonnier de Jésus. Y a-t-il des prisonniers de Jésus ici? Alléluia.
Il dit dans Acte 21, lié par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le lie et il l'amène à Jérusalem. Lorsque le Saint-Esprit te lie, tu vas sentir que ta vie ne t'appartient plus. Tu n'existes plus pour toi-même. Tu existes pour les autres. Dieu te donne un ministère pour que tu t'effaces, pour que les autres puissent aller de l'avant. Tu vas commencer à aimer la prière. Quand le Saint-Esprit arrive, il t'amène à aimer la prière, à aimer Jésus, à venir dans la présence de Dieu, à prier pour les autres, à intercéder. Ça, ce sont des bonnes prisons spirituelles. Oh, je veux être lié par le Saint-Esprit. Je veux être lié par le Saint-Esprit. Je veux être dans la prison spirituelle du Saint-Esprit. Amen. D'autre part, il y a des mauvaises prisons. Ça, maintenant, on va parler des limites. Dis à ton ami, des prisons spirituelles démoniaques. C'est comme si tu lui parles avec, tu n'as pas la conviction. Dis-lui, les prisons spirituelles démoniaques. Ça, ce sont les mauvaises prisons. C'est ça qui amène des limites. J'en parlerai en grande partie aujourd'hui, mais je finirai demain à cause du temps. Et parmi ces prisons, vous avez beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens qui sont dans ces prisons démoniaques sataniques. Et voilà comment, parce que spirituellement ils sont emprisonnés, cela se manifeste physiquement par plein de réalités. N'oubliez pas que nous sommes le résultat du spirituel. Amen. Tout ce qui est visible, matériel, est d'abord spirituellement conçu. En réalité, vous maîtrisez le spirituel, vous maîtrisez le monde physique. C'est comme ça que ça marche. Alors prenez psaume 142 et gardons un peu ce que David dit dans ce psaume. Psaume 142. Le verset 7 au verset 8. Il parle de son expérience de la délivrance. Psaume 42, verset 7 à 8. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de tous ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Voici l'esprit, les prisons spirituelles démoniaques. David ici était en train de fuir le roi Saül. Il se retrouve dans la caverne d'Adullam. Il commence à pleurer. Il gémissait. Il perdait sa force, ses forces. Au point même, il dira que les larmes deviennent sa nourriture de tous les jours. Il est passé par des moments terribles. Et il crie à Dieu en demandant, Seigneur, sauve mon âme. Car son âme se retrouvait enfermée. Tout comme l'âme, la vie, l'esprit de beaucoup de personnes se retrouvent enfermées dans des prisons sataniques. Bien-aimés dans le Seigneur, quand le diable vient, il a un seul but. La Bible nous déclare que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il ne fait rien de bon sur son passage. Il ne laisse rien de bon sur son passage. Et parmi les prisons spirituelles sataniques, notez quelques points que nous allons énumérer. La première prison satanique dans laquelle beaucoup de personnes sont renfermées, c'est la chair et la corruption du péché. Dis avec moi la chair. La chair. Dis encore avec moi la chair. La chair. Qu'est-ce que la chair? La chair, ce n'est pas le corps. La chair, c'est l'ensemble du corps et de l'âme qui a été corrompu à partir du péché d'Adam et Ève. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais à partir du moment où l'homme a péché, a chuté, le diable a pris le contrôle. La Bible dit, celui qui se livre au péché devient automatiquement esclave du péché. Et une des limites, une des prisons spirituelles démoniaques qui retiennent beaucoup d'enfants de Dieu captifs, c'est la chair. Le plus grand ennemi, la plus grande limite que tu as d'abord, avant de parler des démons plus tard, il faut que tu comprennes que c'est d'abord ta chair. Tu es né dans le péché. Ta chair est une chair corrompue. Ta chair, c'est la plus grande limite
qui t'empêche d'aller à Rehoboth. Ta chair est le plus grand ennemi de ta vie. Donc, si tu pensais que ton premier ennemi ou plus grand ennemi c'était Satan, tu te trompes. Parce que quelqu'un qui a Jésus, Satan est sous ses pieds. Tu n'as pas compris. Jésus a dit, je vous ai donné. Il ne parle pas au futur, il parle au passé. Si tu es un enfant de Dieu, tu as déjà reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut te nuire. Alors comment ça se fait que tu es chrétien et l'ennemi a encore l'emprise sur toi? C'est que quelque part, il y a encore la chair qui est là. Bien-aimé, la chair est notre plus grand ennemi. Ça a été le plus grand ennemi des grands hommes de Dieu. Abraham a commis une grave erreur lorsqu'il est parti avec Agar. La chair. Samson, un homme de Dieu, moins avec le 7-13. Une onction qui lui donnait la force pour libérer le peuple. Il tombe sous le charme de Delilah. La chair. David, un homme moins, un chantre agréable à l'Éternel. Un prophète selon le cœur de Dieu. Il tombe sous le charme de Bathsheba. La chair avait réussi à les vaincre, à les gagner. Mes frères et mes sœurs, ça c'est une limite terrible que nous devons prendre au sérieux et régler rapidement, car tu ne peux pas aller loin tant que ta chair est là. Jésus dit quoi? Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Cette chair est faible. Cette chair est enclin au mal. Cette chair te pousse au mensonge. Cette chair te pousse à l'impudicité, à la masturbation, au vol, à l'adultère, à tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Cette chair te pousse à l'alcool, à la drogue. Cette chair te conduit à pouvoir aller avorter. Cette chair te conduit à toutes les mauvaises choses, les disputes, les querelles. Et tu t'étonnes, tu pries, mais les choses n'avancent pas parce que quelque part la chair n'est pas crucifiée, la chair n'est pas brisée. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux briser tes limites, commence à briser ta chair. Alléluia. Ta chair est ton plus grand ennemi. Je dis, ta chair est ton plus grand ennemi. Paul dit, j'ai été crucifié avec Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je le vis, je vis dans la foi, dans le Fils de Dieu qui m'a aimé. La chair, tu sais faire le bien, mais tu n'arrives pas. Tu fais le mal que tu ne veux pas. Il y a en toi une loi contraire, la loi du péché et de la loi de la mort, renfermée dans la chair. Et tu te dis, misérable que je suis, qui me délivrera de tout corps de péché? Mais la Bible dit, grâce soit rendue à Jésus qui nous a délivrés. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon l'esprit, la chair plutôt, mais selon l'esprit de Dieu. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Regarde ton voisin, dis-lui, traite le problème du péché. Aide-moi à le dire, traite le problème du péché. C'est ça qui tue l'église. C'est ça qui nous empêche. Nous parlons de la liberté. Nous parlons des robots. Comme ces docteurs, ils disaient, ils leur promettent la liberté, alors qu'eux-mêmes sont esclaves de la corruption. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Beaucoup viennent fatiguer les pasteurs. Pasteur, prie pour moi. Mais ils ont des péchés cachés qui ne veulent pas abandonner. Des péchés mignons. Tu vas enterrer ton péché mignon. Je sais que tu n'allais pas aimer ça. Ça fait partie des limites. Tu es chrétien, tu chantes, tu prêches, tu es à l'église, tu sers Dieu, mais tu es un petit copain. Tu entretiens ma petite copine, mon petit copain. Oh, c'est le péché. Je dis, Dieu ne bénit pas dans le péché. Tu n'iras jamais à Rehoboth avec le péché. Ton péché t'atteindra. Même si tu le caches, Dieu fera en sorte que cela soit vu, soit vu, soit vu et soit vu. Le péché, c'est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit, tous sont péchés et sont privés
de la gloire de Dieu. C'est le péché qui te prive la gloire de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, alléluia. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Ce que tu plantes, c'est ce que tu vas avoir. La Bible dit, celui qui sème de la chair moissonnera la corruption, la mort. Rien de bon ne viendra. Si tu sèmes le vent, tu moissonneras la tempête. Mais nous ne sommes pas de ceux-là. Ceux qui veulent aller à Robot règlent le problème du péché aujourd'hui. Parce qu'ils veulent aller loin avec Dieu. Ils vont commencer à semer par l'esprit. Je vais semer les bonnes choses. Je vais semer l'amour. Je vais semer la crainte de Dieu. Je vais semer la pureté. Je vais semer, même si on dit, oh, nous sommes au 21e siècle, tu ne peux plus vivre comme ça. Il faut avoir un copain. Il faut, tu dis, non, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui me touchera, c'est mon mari. Celle qui me touchera, c'est ma femme. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je dis, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Plus de limitation par le péché. Plus de limitation par le péché. Pas une décision radicale. Tu sais très bien que tu es deuxième bureau. Mais tu continues. Parce que tu es en train de recevoir les nivets. Tu es en train de recevoir quelque chose. Ah, c'est mon pigeon. Ah, c'est mon pigeon. Mais c'est un pigeon voyageur. Après toi, il va aller vers un autre pigeon. Alléluia. Dis avec moi, je dois régler le problème du péché. C'est une limitation. C'est une prison satanique. Le guillon de la mort, c'est le péché. C'est le péché. Et le diable nous tient beaucoup de personnes par le péché. Deuxième prison spirituelle. L'ignorance. Wow. Tu notes, hein? L'ignorance. Dis avec moi l'ignorance. L'ignorance, bien dit, c'est le manque de connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit. Mon peuple est égorgé parce qu'il lui manque la connaissance. La Bible ne dit pas parce que Satan est Satan. Même si le diable était multi-diable, il ne peut pas freiner un véritable enfant de Dieu qui a la connaissance. C'est pourquoi je ne crois pas trop à cet évangile qui fait en sorte que les chrétiens commencent à avoir peur des démons. Ah, un petit cancer là, ah, c'est ma tante. Ah, une petite souris. Ah, c'est mon oncle. Au nom de Jésus. Au nom de... Non. Laissez les cafards rentrer. Ils vont savoir de quel bois je me souffre. Ah, ils vont sentir. Laissez les sorciers venir dans cette église. Ils vont sentir qu'il y a le fire. La Bible dit, Paul avait ramassé un tas de broussailles à l'île de Malte. Mais il a pris la broussaille, il a mis ça dans le feu. Quand on met dans le feu, les vipères sortent. Et quand la vipère est sortie, elle s'est attachée à la main de Paul. Et les gens ont dit, non, il va mourir. Paul a secoué. Paul savait qui il était. I know who I am. Je sais qui je suis. Oh, ton connaissance de ce que tu es, la connaissance de Dieu dans ta vie, tu n'auras pas peur de Satan, non? Je dis, tu ne peux pas avoir peur de Satan. Mais qui es-tu? D'où viens-tu? D'où sors-tu, Satan? Paul a secoué. Les gens attendaient que Paul mourisse, voir Paul mourir. La Bible dit, ils ont attendu longtemps. Et puis ils ont changé de langage. C'est un Dieu. Les gens vont changer de langage. Je te dis la vérité, les mêmes qui t'ont critiqué hier, ils vont venir changer le langage. Homme de Dieu, on s'était trompé. Oh, femme de Dieu, on s'était trompé. Tu es réellement la fille de Dieu. Je suis venu te dire, tu dois avoir la connaissance. Frère, c'est ce qui tue l'église aujourd'hui. L'église de la fin des temps est en train de sombrer dans un manque de connaissance.
Pas que la connaissance ne soit pas accessible. Plus loin, on a osé dire, vous avez rejeté la connaissance. C'est-à-dire, elle est à votre disposition, mais vous ne la voulez pas. Beaucoup ne veulent plus de la connaissance. Beaucoup veulent du show. Et quand le culte finit, on pose la question, qu'est-ce qu'on a prêché? C'était fort. C'était quoi le message? C'était puissant. On a prêché sur quoi? Il y avait l'onction. Mais en réalité, je n'ai rien reçu. Dis à ton ami, l'enseignement. Dis-lui, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui libère. La Bible dit dans leur détresse, dans leur prison spirituelle, ils ont invoqué le Seigneur. Le Seigneur envoya sa parole et sa parole les délivra. Sa parole les sauva. Si tu veux briser les chaînes, les limites, les prisons spirituelles, brise la limite de l'ignorance. Prends la décision de commencer à méditer la parole de Dieu, d'aimer la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu. Ne viens pas écouter la parole seulement le dimanche. Chez toi, à la maison, lis la Bible. Médite la parole. Mets cela en pratique. Ça va briser les chaînes. Ça va briser les prisons spirituelles. La connaissance. Et le diable a peur des gens qui ont la connaissance. La Bible dit, c'est Paul qui parle. Il parle aux Corinthiens. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, ceux dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, a mis un voile. Il a aveuglé l'intelligence. Et quand on met un voile sur vous, c'est comme ça. Vous êtes comme ça et vous ne voyez pas. Voilà. C'est juste devant vous, mais tu ne vois pas. Solo. Dis comme ça. Voile tombe. Je déclare que tu vas commencer à voir. Oh, quand tu vas lire la Bible, tu vas le lire avec les lunettes du Saint-Esprit. Oh, tu vas lire la Bible avec les lunettes du Saint-Esprit. Ça ne sera plus avec les lunettes d'un homme, d'une dénomination, mais la lunette du Saint-Esprit. Tu diras, Saint-Esprit, enseigne-moi. Même si tu ne sais pas parler français, le problème, ce n'est pas connaître la sagesse des hommes. Le problème, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Oh, je dis à quelqu'un, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées dans les cœurs de l'homme, des choses que Dieu a réservées pour toi. Tu vas réclamer les promesses de Dieu dans la parole. Je dis aujourd'hui, nous enterrons l'ignorance. Et quand on va dire, lui enterre l'ignorance. C'est une prison satanique. Le diable travaille pour que nous n'ayons pas l'accès à la connaissance. C'est pourquoi les hommes de Dieu qui donnent la connaissance, ils sont la cible du diable. Parce que tu ouvres les yeux aux gens. Quand Dieu a appelé Paul, il a dit, je t'ai appelé suscité pour que tu ouvres les yeux à ceux-là qui sont dans les ténèbres. Que tu les sors de la puissance des ténèbres pour les amener dans la puissance de Dieu, dans le royaume de Dieu. L'ignorance. L'ignorance par rapport à qui est Dieu. L'ignorance, qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour toi? Il faut que tu aies une révélation personnelle de ce Dieu. Quelquefois la révélation, on peut l'avoir directement de la parole, mais aussi par l'expérience de ta vie. Les situations que tu passes, Dieu va se révéler à toi avec un nom particulier. Pour les uns, il y avait Chiré. Pour d'autres, il y avait Rapha. Pour d'autres, il est l'éternel et ma bannière. L'autre, il est l'éternel, mon rocher. Oh, l'autre, il est l'éternel et mon berger. Je ne manquerai de rien. L'autre, il est Yahvé Rapha. Yahvé Tchikenou. Yahvé Saloth. El Olam. El Shaddai. Yahvé Alléluia. Oh, est-ce que je peux parler de ce Dieu? Est-ce que je peux parler de la révélation de ce Dieu? Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le commencement et il est la fin. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Même si je suis dans une situation difficile, je sais que j'attendrai Oméga. Oh, je dis à quelqu'un, il s'appelle Oméga. Oh, Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Même quand tout semble fini,
fini. Mais moi, j'ai la révélation de ce Dieu. On te dit, maudit Dieu est mère. Je ne peux pas maudire ce Dieu. La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Mon aujourd'hui n'a rien à voir avec mon demain. Mon demain, il se levera. Si tu ne le vois pas aujourd'hui, attends encore quelques minutes. Attends encore quelques minutes avant la fin des 40 jours. Je dis, les limites seront brisées. Tu vas avoir les révélations de ce Dieu réellement. Il va te mettre au large. Tu vas te répandre à gauche, à droite, devant, derrière. Il va te donner les nations pour héritage. Donc, quelqu'un ne m'a pas compris aujourd'hui. Je dis, c'est un Dieu de largesse. C'est un Dieu de bénédiction. Il dit de la poussière, il élève le pauvre, du fumier, l'indigent. Et il le fait asseoir avec les grands et les grands de son peuple. Tu es dans le camp du plus fort. Connais ton Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, connais ton Dieu. Connais ton Dieu. Qui veut le connaître? Oh, je veux encore le connaître, encore plus. Troisième limite dans la prison satanique. Les mauvaises paroles que tu prononces de ta bouche. Si tu t'attendais à ce que je parle d'abord des démons, démons demain, pas aujourd'hui. Démons demain. Demain, on va cueillir des démons. Ah, rendez-vous. Mais aujourd'hui, je t'enseigne encore par la grâce de Dieu les choses qui toi-même te limitent. Les prisons spirituelles démoniaques, tes paroles mauvaises. Tout ce qui est mauvais vient du diable. C'est pourquoi je mets ça dans la catégorie des prisons sataniques démoniaques. Tout ce qui vient de Dieu est bon, tout ce qui vient du diable est mauvais. Les paroles de ta bouche. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Quelles sont les paroles que tu prononces? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont négatifs. Beaucoup d'enfants de Dieu sont péjoratifs. Ils voient tout en mal, tout en mal. Il n'y a rien de bon qui sort de leur bouche. Mais ils sont là, pasteur, impose-moi les mains. Le pasteur peut t'imposer les mains. Mais si tu continues à être négatif avec tes paroles, tu continueras à être dans les limites. Alléluia. Les paroles. Ah, moi-même là, depuis que je suis enfant, je n'ai pas de papier, 20 ans. Je suis sans papier, endurci. Pasteur, j'ai 45 ans. Bientôt la ménopause. Moi, je ne veux plus me marier, hein? C'est fini. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dieu est celui qui met une pause à la ménopause. Tu n'as pas compris, je viens ici. Dieu est celui qui met une pause à la ménopause. Il l'a fait avec Sarah. Pourquoi tu pleures? Je veux dire, même si tu as 45 ans, tu te marieras. Non seulement tu te marieras, quelques mois après, sans manger, le ventre va gonfler. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Ne sois pas négatif. Je vous ai dit, il y a deux choses. Il y a la réalité, il y a la vérité. La réalité, c'est ce que tu vis. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Moi, je m'arrête là. Dieu a dit. Dieu a dit, il n'y aura pas de femme stérile. Même quand j'ai 70 ans, comme Anne, la mère de Samuel, comme Elisabeth, comme Sarah, Dieu a parlé. Rien n'est impossible à Dieu. Les limites seront brisées. Alors je suis positif. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je déclare le positif. Je ne déclare pas en fonction de ce que je vois. Dieu reconnaît que tu es pauvre, mais Dieu t'interdit de dire que tu es pauvre. Regardez, dans la Bible, Dieu dit, que les pauvres disent, je suis riche.
Donc Dieu reconnaît que tu es pauvre, mais il t'interdit de dire que tu es pauvre. Il t'ordonne de dire que tu es riche. Oh, que tous les pauvres commencent à dire je suis riche. Ah, je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. C'est ce que Dieu a dit pour toi. La parole est dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de foi que tu dois déclarer. Or, la foi ne regarde pas les montagnes. La foi ne regarde pas les circonstances. Dieu a dit que le faible disent qu'il est fort. C'est vrai, je suis faible. C'est vrai, je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai pas de maison. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que c'est le présent. Demain, je me vois déjà dans une grande villa. Non, la réalité, c'est que tu es piéton. Et demain, je me vois déjà dans une belle voiture. Est-ce que quelqu'un m'entend? La réalité que Dieu a parlé, que tu es un grand ministère, tu ne vois rien. Mais demain, vois-toi déjà en train d'aller dans le monde entier, prêcher l'évangile, dans les avions, première classe, prêcher l'évangile. C'est ça que le faible dit. Dieu sait que tu es faible, mais il t'interdit de déclarer que tu es faible. Il te dit, dis que tu es fort. Pourquoi? Paul a dit, je me plais dans mes faiblesses. Il dit, quand je suis faible, ah, la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Quand je ne peux pas, quand je suis fatigué, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi est-ce qu'il faut déclarer? Pourquoi il ne faut pas avoir de mauvaises paroles? Parce que derrière chaque parole, il y a des puissances. L'homme est la seule créature de Dieu qui parle. Amen. Même les bataques, même les singes ne parlent pas. Même les perroquets ne parlent pas. Ils répètent. Est-ce que quelqu'un m'entend? On nous a appris, non, le perroquet parle. Non, le perroquet répète. Papa. Non, mais toi, tu es la seule créature. C'est pourquoi tu n'es pas le produit d'une évolution. Tu es, David dit, je te loue de ce que je suis une créature. Si. Oh, regarde quand tu marches. Regarde-toi comment tu es beau. Regarde-toi comment tu es belle. Ah, regarde-toi. Regarde-toi. Je suis une créature si merveilleuse. C'est pourquoi je suis venu te dire, commence à déclarer les bonnes choses. Ne regarde plus les montagnes devant toi. Puisque tes paroles sont ointes, remplies du Saint-Esprit. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Qui es-tu grande montagne? Qui es-tu limite? Qui es-tu obstacle devant ce Zorobabel? Qui es-tu limite devant le soleil? Ah, l'enfant de Dieu que j'ai choisi. Qui es-tu grande montagne devant Adonai que j'ai choisi? Qui es-tu grande montagne devant Zeus que j'ai choisi? Qui es-tu grande montagne devant Abraham que j'ai choisi? Qui es-tu grande montagne devant Lydie que j'ai choisi? Tu y seras aplani. Je dis les limites seront aplanies. Les limites seront aplanies. Tu vas passer. 2017 serait au bout. Je dis, je déclare 2017 serait au bout. 2017 tu vas toucher. 2017 tu vas palper. 2017 tu vas rentrer. Tu diras comme Job. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mon oreille avait entendu les témoignages des autres. Mais maintenant, oh, quelqu'un peut me dire, mais maintenant, mais aujourd'hui, mon œil te voit, tu vas voir Dieu. Quand Jésus se lève, Jésus, l'homme d'onction, il vient et dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oué, il m'a donné l'onction, l'onction qui brise le joug. Alléluia, pour prêcher l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir le cœur brisé. Oh, ton cœur sera brisé sera restauré, guéri. Et il va briser. Amen.
des prisons spirituelles. Dis avec moi, je suis libre. Je suis libre. Dis avec moi, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Haramashaka. Qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Merci Jésus pour la liberté. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Parle au problème qui est devant toi. Parle, tes enfants sont rebelles. Ça te fait souffrir. Tu es là devant moi. Tu es là. Parle. Ordonne-les de retourner à la maison. Ton mari est parti. Il a quitté le domicile. Il a quitté le lit conjugal. Il est parti vers d'autres. Prends l'oreiller. Touche. Déclare. Sa place est ici. Yes. Dieu va mettre un dégoût là où il est. Il va retourner à la maison. Je dis à un homme, à une femme, parle, déclare. Tu as des contrats que tu n'arrives pas à saisir. Le contrat d'entreprise commence à déclarer, je veux ce contrat. Contrat là où tu es, tu sors de là, tu rentres dans ma boîte. Tu entres. Je suis venu dire à quelqu'un, les limites c'est dans ta bouche. Il y a des choses que Dieu peut faire, on en parlera demain. Mais aujourd'hui, il y a des choses que toi-même tu peux faire. Déclare par ta bouche, déclare par ta bouche. La Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. La mort et la vie, c'est au pouvoir de ta langue. Tu as le pouvoir de briser tes propres limites. Tu peux dire c'est fini, assez avec le célibat. J'ai l'âge de me marier, je veux rentrer dans l'alliance. Je commence à me préparer, commence à soigner ton caractère, commence à soigner ton intérieur, commence à te préparer, commence à apprendre comment on tient une maison, comment on tient un mari, comment un mari peut tenir une femme. Comme ça tu vas te préparer, et pendant que tu es en train de te préparer, la chose que tu attends de Dieu arrive vers toi. Les limites. Je voulais continuer, mais je sens que je dois m'arrêter là. Là où tu es, lève-toi. Nous voulons prier. Koramasakata Ramaseka. Korabababababasata Rabaseka Rabasabraka. J'aimerais prier d'abord pour toutes les personnes qui sont ici. Si tu es là et que tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, même si tu viens à l'église et tu aimerais faire une rencontre personnelle pour abandonner le mal et le péché, n'aie pas honte, lève ta main là où tu es. Nous voulons prier avec toi. Alléluia, merci, 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 merci. Oh, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces personnes? Vous tous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, venez, venez. Sortez de là où vous êtes, venez, 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 venez ici. Encourageons-les, encourageons-les, encourageons-les. Vous savez, c'est une grande victoire. Lorsque dans des programmes comme ça, il y en a qui donnent leur cœur à Jésus. Lorsque les gens donnent leur cœur à Jésus, lorsqu'ils se convertissent, c'est une joie au ciel. Oh, Ramashindaraba, venez, 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 venez. Chantez quelques cantiques pour la gloire de Dieu. Si tu es encore là, si tu es encore là, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu aimerais vraiment donner ton cœur à Jésus, n'hésite pas. Regardez, les autres sont venus, n'aie pas honte. Tu hésites encore, viens. Viens mon frère, viens ma soeur, viens. Aujourd'hui c'est le rendez-vous de Dieu avec toi. Aujourd'hui Dieu est venu te parler, parler à ton cœur. N'hésite pas, viens. Si tel est ton cas, viens. Viens, sors, sors de là où tu es. Arrive vers nous, arrive vers nous. Arrive vers nous, alléluia. Est-ce que nous pouvons lever nos mains vers le ciel et nous allons prier pour ces personnes? Vous tous qui êtes devant, fermez vos yeux, levez juste vos mains. Vous allez faire avec moi cette prière. Et vous qui êtes dans la salle, si nous pouvons fermer nos yeux et prier pour nos frères et sœurs qui sont venus. Vous allez faire avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Faites avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheur, que je suis éloigné de toi.
Je reconnais que je vis, j'ai vécu dans la chair et dans le péché. J'ai vécu dans la chair et dans le péché. J'ai entendu ta voix et je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Entre dans ma vie, pardonne mes péchés, lave-moi par ton sang, purifie-moi. Je veux être une nouvelle personne et je veux que toutes mes limites tombent et que ta gloire apparaisse dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. J'aimerais prier, alors que le groupe musical m'accompagne dans un cantique. Attire-moi à toi. Si vous êtes là et que vous reconnaissez être dans une prison quelconque, que ce soit au niveau de la chair, que ce soit au niveau de l'ignorance, que ce soit au niveau des mauvaises paroles, et que vous voulez que Dieu, par sa puissance et par sa main, vous libère. Là où vous êtes, je vous prie de venir devant ici. Venez rapidement, je vais prier avec chacun de vous. Venez, 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 venez. Ce message est pour toi. Alléluia. Venez. Tu es concerné, n'hésite pas, viens, viens. C'est pour toi que je suis venu. C'est pour toi que Dieu m'a envoyé aujourd'hui. Viens. Et les personnes encore qui ont peut-être honte, n'aient pas honte, pendant que nous chantons ce cantique, venez devant, venez. Je ne veux pas.
Sois libéré maintenant. Je dis, sois libéré.
au nom de Jésus, au nom de Jésus. Voici l'Esprit, où que tu sois, toi qui t'attends à Dieu, voici l'Esprit, viens sur toi. L'Esprit de Dieu vient sur toi. L'Esprit de Dieu vient sur toi. L'Esprit de Dieu vient sur toi. Rambo Zibre Kantemana Sambro. Les limites sont brisées. Les limites tombent. Les portes des prisons sont brisées. Au nom de Jésus. Il y a une personne ici, tu as une maladie chronique qui te suit depuis des années. Et cette maladie se retrouve dans ta famille, précisément du côté de ta mère. Cette maladie t'empêche de connaître l'expérience, une expérience de la guérison. Mais la main de Dieu arrive maintenant pour te libérer. Je te dis, la part de Dieu, la main de Dieu arrive pour te libérer. Sois libéré de cette chaîne maintenant. Je dis, sois libéré de cette maladie. Voici l'Esprit. Levez les mains. L'Esprit de Dieu est parmi nous. L'Esprit de Dieu descend. Il est en train de descendre. Il est en train de visiter. Où que tu sois, il y en a qui vont être saisis. Il y en a qui vont être visités de manière particulière par l'Esprit de Dieu. Voici l'Esprit qui arrive sur toi. Voici l'Esprit. Il vient sur toi. Oh my God. C'est magnifique. C'est merveilleux ce soir. Il est ici. My God. Voici l'Esprit de Dieu. Touche. Aidez-les. Touche. Fire. Il y a une personne. Tu as été mis dans la liste de la sorcellerie afin de connaître un accident de circulation. Pour savoir que c'est toi, tu es souvent hanté par la peur de commettre un accident. J'aimerais te voir rapidement. Tu as peur. Quand tu es au volant, tu as peur. Tu sens comme si il y a une oppression qui est autour de toi. Et c'est comme si tu vas connaître un accident. C'est un plan mystique qui a été fomenté contre ta vie. Je vais te voir en particulier, viens ici devant. Je te dis, je verrai te voir rapidement. Où tu es, tu sors de la foule, viens vite devant moi. Au nom de Jésus, Seigneur. Merci pour cette femme. Dieu t'aime. Il y a un appel puissant dans ta vie. Prépare-toi à des grandes choses. Consacre ton corps. Tu verras le rebot. Merci pour cette femme. Le pasteur, il est où? Il est dehors. C'est elle, c'est toi? Lève tes mains. Le pasteur? Là où tu es pris, ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Prie, tu es venu rencontrer Dieu. Tu es venu pour que Dieu te sorte de toutes sortes de prisons qui pouvaient te hanter, pour entrer dans ce que Dieu a réservé pour toi. Seigneur, merci. Tiens-moi ça. Jesus, voici l'onction de Dieu. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je brise toutes les limitations. Je brise au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Seigneur Jésus, prie avec moi. Seigneur Jésus, tel que je suis, je viens. Que toutes les prisons spirituelles dans lesquelles je t'ai enfermé tombent maintenant. Que
les portes de prison soient brisées. Je déclare dans ma vie que j'irai à Rehoboth. Que je vais expérimenter Rehoboth. Que je vais expérimenter la largesse de Dieu. Je vais expérimenter la bénédiction de l'Éternel. Je refuse. Je refuse toute limitation sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan sentimental, au nom de Jésus, sur le plan matériel, sur le plan financier, que toutes les limites tombent, que toutes les prisons tombent. Satan, quitte ma vie, quitte mon foyer. Quitte ma famille, quitte ma vie, quitte mon projet, quitte mes études, quitte mon avenir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que je ne veux pas échouer. Je déclare que je veux réussir. Je déclare que j'irai de l'avant. Je déclare que je prospérerai. Je déclare que je veux servir Dieu. Je déclare que je serai béni. Je déclare la prospérité à tous égards dans ma vie. Au nom de Jésus. Maladie, maladie, quitte mon corps, quitte mon âme, quitte mes pensées. Au nom de Jésus. Satan, retire ta main de ma vie. De ma vie, de ma famille, de mes enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise les limites, je brise les limites, au nom de Jésus, Seigneur, que ton onction vienne, que ton onction vienne sur moi, que ton onction vienne sur moi, pour briser les limites, pour briser les limites, pour briser les prisons. Je suis libre, je le déclare, je le confesse, mon avenir est brillant, mon avenir est brillant, mon avenir est glorieux, je veux briller comme les étoiles du ciel, je le déclare, au nom de Jésus, j'ai la santé de fer, au nom de Jésus, je proclame l'œuvre de la croix. Nous n'allons pas échouer. La sécheresse, dehors, dehors la sécheresse, sorcellerie, dehors, au nom de Jésus. Marie de lui, femme de lui, dehors, au nom de Jésus. Esprit de blocage, dehors, au nom de Jésus. Esprit de pauvreté, dehors, au nom de Jésus. Esprit de célibat, dehors, au nom de Jésus. De Dieu, maintenant, dans ma vie, je déclare que je suis un enfant de Dieu. Je déclare que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire. L'esprit de rébellion, tu quittes ma famille, tu quittes mes enfants, tu quittes mon entourage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Chômage, quitte ma vie. Je déclare, il n'y a plus de limitation. Je vais travailler, je vais entreprendre. Au nom de Jésus, je le déclare et je le confesse. Et j'acclame le Seigneur très fort. Je vais travailler, je vais réussir au nom de Jésus. Sa gloire est là. Le bon hommage, encore. Pendant que tu lèves tes mains, attends-toi à un toucher de Dieu maintenant. Attends-toi à une visitation de Dieu. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il y a une femme ici qui a beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré pour ta famille. Tu as beaucoup pleuré pour tes enfants.
Tu as beaucoup pleuré pour tes enfants. Tu as dit, Seigneur, est-ce que tu entends mes prières? Est-ce que tu entends mes cris? Dieu me dit de te dire, tu as exaucé ta prière. Tes enfants me serviront. Tes enfants me serviront. Pas. Tes enfants me serviront. J'ai une alliance avec tes enfants. J'ai une alliance avec tes enfants. Pendant que tu as tes mains levées, il y a une personne qui était venue ici avec des mal de dos. Tu avais très mal au niveau de ta colonne vertébrale. Tu peux bouger ton dos car la puissance de Dieu est descendue pour te guérir. La puissance de Dieu est descendue pour te guérir. À la même circonstance, je me montre une personne qui avait mal au genou droit. Tu avais mal au genou droit quand tu es venu ici. Bouge ton genou. La puissance de Dieu te guérit. La puissance de Dieu te guérit. La puissance de Dieu te guérit. Si c'est ton cas, tu lèves ta main pour témoigner et donner gloire à Dieu. Il y a une autre personne ici qui a le problème au niveau de sciatique. Alléluia, on a le problème au niveau de sciatique. La main de Dieu arrive et te touche. La main de Dieu te touche et te guérit. Tu ne verras plus ce mal, tu ne verras plus ce problème. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh Ramachandaraba Karabayandaraba. Allez, vous asseoir. J'aimerais prier une personne qui souffre des problèmes des yeux. Tu as des problèmes des yeux, tu sens comme du sable dans tes yeux. Viens vite, je vais prier pour toi. Alléluia, viens, je vais prier pour toi. Merci Jésus. J'ai ces problèmes-là depuis que j'ai eu mon fils de 3 mois. Je me suis senti, on dirait, il y a une voile qui est devenue devant mes yeux. Et puis, je n'arrivais plus à faire les biberons. Depuis là, jusqu'au jour où je perds l'œil. Jésus de Nazareth, merci de guérir cette femme maintenant. Par la puissance de Dieu, tu l'as guéri au nom de Jésus. Guéri. Que ce mal disparaît. Que Jésus soit guéri. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci de guérir. Merci Jésus, merci Jésus. Pour cette femme, guéris-la maintenant par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Jésus, merci pour cette femme. Tu la guéris, tu la touches, tu la visites. Au nom de Jésus, maintenant même, sous l'onction de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Touche, sois guéri maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Par rapport à la voiture, laissez-moi. C'est toi. Alléluia. Merci Jésus. Lève tes mains. Merci pour cette femme. Tu la touches et tu la visites maintenant. Que toute oppression démoniaque, satanique soit brisée maintenant. Je charge cet esprit de mort et d'accident. Tu ne connaîtras pas d'accident. Je le déclare, je le proclame et je le prophétise dans ta vie. Sois libre au nom de Jésus de Nazareth. On s'y libre en des yeux. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, touche cette femme par ta puissance. Soyez vivants.